Donc salut à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un jeu que vous connaissez bah, probablement si vous avez cliqué sur le titre de la vidéo. Donc pour l'avoir, donc ça va servir à avoir un petit menu pour booster l'XP et avoir des petites fonctionnalités en plus au cas où si vous avez déjà rodé le jeu et vous voulez découvrir un peu plus les profondeurs du jeu. Donc j'ai hébergé le fichier sur un site avec plusieurs hébergeurs, donc comme ça vous faites le choix, comme ça si y en a un qui saute vous êtes tranquille. Donc vous le téléchargez et une fois que ça sera fait, vous allez avoir un fichier rare que vous allez décompresser, un peu la base de ce genre de pratique, et vous le mettrez sur le bureau. Donc après, soit vous le glissez dans votre téléphone et vous l'installez, facile, ou soit vous utilisez un émulateur Android. Bon, c'est mieux sur émulateur, mais enfin c'est mieux sur téléphone. Mais bon, moi je vous le fais depuis émulateur parce que bah, j'ai pas d'Android tout simplement. Et parce que c'est plus simple pour l'enregistrement. Donc, moi dans mon cas, je l'installe sur mon émulateur. Donc je vous retrouve une fois le chargement terminé. Donc une fois que c'est chargé, vous pouvez le glisser dessus ou dans votre téléphone et vous l'installer. Donc les manipulations sont simples sur téléphone, hein. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Une fois que c'est fait, vous pouvez le lancer. Donc ça, vous acceptez, vous retournez en arrière, vous pouvez retourner dessus. Donc ça, c'est par rapport à la superposition, donc ça, c'est ce qui va gérer le menu. Donc ça, je peux le fermer en attendant. Je vais juste passer la phase de tuto parce que tout le monde s'en fout et ça prend quelques minutes, donc on vous retrouve dessus après. Donc une fois ça, donc vous allez avoir le multiplicateur d'XP, le multiplicateur de dommages pour débloquer tous les skills, les doubles. Bon, après je pense que vous savez lire. Donc après voilà, hop, les bombes, énormément de choses en soi. Moi je vais tout activer pour voir ce que ça donne. Moi je vous laisserai découvrir le jeu tout seul. Donc, pour pas avoir de pub, ça c'est cool. Drop item, je crois qu'il y a certains trucs qui fonctionnent pas, par contre je vérifierai, mais je crois qu'il y a certains trucs qui fonctionnent pas, je mettrai tout ce qui fonctionne dans la description de la vidéo de toute manière. Wow la vache. Ok. D'accord, bon en fait ça fait le jeu tout seul, donc là à ce niveau là le jeu ne sert à rien. À ce niveau là le jeu ne sert absolument à rien par contre, donc on va pas trop forcer sur les fonctionnalités, mais en tout cas, régler ça de manière raisonnable, parce que sinon c'est inutile à crever. Mais ouais, ça reste satisfaisant, quoi. Je suis fatigué en plus, putain, je fais ça en mode à l'arrache. Mais ouais, testez ça comme vous voulez, en tout cas, je sais que ça fonctionne, moi je vous le présente. Donc voilà. Bon, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à là, je vous remercie et je vous dis des bisous.